Allez. Ah, on Oui. est là aussi. Non, vous Là, venez avec une galère. je continue. Ah, on est là. Oui, continue, oui, vas-y. Voilà. Ce On est là. projet, c'était entre la Guinée, hein, la Guinée et le Mali, et la Guinée et le Sénégal, hein, et le Sénégal. Teloudalen est venu de la Moyenne Guinée. Il est de l'Abbé, hein, précisément dans son village natal d'Alain. Il savait que beaucoup de ses parents, hein, quand je dis ses parents, ça dit beaucoup de ses parents Peul, fréquentaient la route nationale l'Abbé, comment dire, en sortant vers le Sénégal. Il faisait les va-et-vient. Mais en ce moment, il n'y avait pas de route là-bas. Et là, ça rencontre de l'appel en tant que ministre des Travaux publics. Il a dit d'évaluer ce projet-là, de voir la rentabilité de ce projet. Et quand Selou Daleng a fait des expertises, il s'est déplacé, il a vu, il a parcouru comment dire, de l'Abbé jusqu'à la frontière Sénégal. Il est parti vers Mali, Bamako. Et là-bas, Mali, Bamako, il savait bien que ce projet-là, c'était la zone où les gens étaient hostiles à l'Anse Rencontre. Ils étaient hostiles à l'Anse Rencontre. Selou Daleng a préféré, il a dit à l'Anse Rencontre, il dit, pour la rentabilité de notre projet, je voudrais qu'on bitume la route nationale pour Mali jusqu'à Kouroussa. Jusqu'à Kouroussa. Il y avait quatre bacs, il y avait quatre bacs qui étaient là. Sur le fleuve Niger, Ilbakoro, Niandam, les trucs comme ça là. Mais après, il s'est mis à l'œuvre. C'est pour cela que le jour d'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, si vous partez vers la Haute-Guinée, la sortie de Kouroussa, Kankan, Sigirin, Tokounou, Kouré Mali, vous voyez la route là. Alors, vous m'avez même imaginé le bar n'a crassé des couronnes. Il n'a pas fait ça à Moyenne-Guinée. Il a fait ça pour la Haute-Guinée. Il a fait ça pour la Haute-Guinée. Tu la comprends? Donc, c'est pour vous dire que Asselineau Nguema va pouvoir, la Basse-Guinée, la Haute-Guinée, la Guinée forestière va beaucoup en bénéficier par rapport à la Moyenne-Guinée. Je sais ce que je dis. La grande woman Lima, il va faire une UFDG qui woman Lima. C'est pas en fait souvent ce n'est même pas ça parce que même Alpha Condé que vous voyez là bien sûr je suis là pour le choisir malgré que c'est mon mari mais je sais que souvent les personnes qui viennent au pouvoir ils viennent avec certaines convictions et tout c'est souvent l'entourage qui fait défaut voilà le problème Oui. après l'homme en lui-même, Selou Dalé, il peut être vraiment ce que nous attendons vraiment d'un chef d'État. Après, derrière, le problème qui va se poser, c'est l'entourage. C'est là que le problème va se poser. Parce que il ne peut pas non plus être partout. Hein. Ce n'est pas comme un dieu sur terre qui va être partout. Nous savons très bien que beaucoup de personnes qui sont actuellement derrière ce Selou Diallo, qui se battent nuit et jour derrière lui, beaucoup. Beaucoup ont perdu beaucoup de choses. On a perdu, ils ont perdu des, il y a eu des pertes de vie humaine. Il y a eu des pertes de matériel et tout ce qu'on veut. Donc, derrière ça, il faut vraiment qu'il ait un dos large. Il faut qu'il soit vraiment ce chef d'État dont on est en train de tous rêver qu'il soit demain pour vraiment faire le rassemblement national vraiment une réalité dans ce pays. Parce que c'est ça, en fait. Moi, Selou Dalé, en tant que président de la République, notre nation, c'est pas qu'est-ce qu'il va faire sur le plan de développement de notre pays. Moi, ce que j'attends vraiment de ce type, ça sera vraiment le rassemblement
rassemblement national. S'il réussit cela, il réussit pour moi dans ce pays parce que c'est ça qui est aujourd'hui primordial dans notre pays. Essayer de remettre le Rassemblement national vraiment au cœur de son programme et surtout bon, le slogan du essayer de... La colère est... Oui, on sait très bien, on a entendu ici le slogan « gouverner autrement » et on voit déjà ce qui se passe sur le terrain. Voilà. Attendez, ce que je veux dire ici, s'il vous plaît, ne sortons pas dans notre débat, le dialogue, la situation sociopolitique. Voilà. Maintenant, Selou Dalé n'est pas encore président. Maintenant, nous croyons à notre président, on le suit, on est derrière lui. Maintenant, pour vous convaincre, maintenant, ce n'est pas les paroles qu'on va vous convaincre. Vous verrez des preuves pratiques, terre à terre, tic au tac. Maintenant, sortons du débat. C'est Luda, le président. S'il ne fait pas ça, s'il ne fait pas ceci, on va le critiquer. Ce que nous sommes en train de dire, le dialogue, et comment nous allons parler des problèmes que nous sommes en train de débattre. Maintenant, ce qu'on va faire, chacun de nous a dit quelque chose, on va donner la parole à M. Fadiga. M.L. Fadiga, ouais. Bon, parce que M.L. Fadiga et la colère, c'est leur part. Ils sont là tout le temps. Donc, d'accord. C'est pour ça qu'on n'a pas été prioritaire. Bon, on va donner la parole à M. Fadiga. Donc, mais il faut qu'on sorte complètement dans l'optique, c'est Luda le président. OK? D'accord. Voilà. Donc, il n'a qu'à se préparer, lui aussi, à nous recevoir. A'ouzou billahi minash shaitan rajim. Wa salam ala rasulillah, Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi. Wa kullu man tabi'ahum bil ihsan ila yawmitin. Allahumma shrah li sadri, wa yassir li amri, wa ahlul uqdatan min lisani, yafqahu qawli. Je dis bonsoir à tout le monde. Barakallah. Et salam alaikum à tout le monde. D'abord, hier, moi, j'écoutais l'émission Buntuni. J'ai entendu l'honorable Youssouf Camara. Voilà, ce qu'il a dit, là, vraiment, j'étais content. Pourquoi? Parce qu'il a tout détaillé. Donc, concernant le communiqué de l'UFDG. Non, ça, c'est un communiqué à saluer. Vraiment, c'est une décision salutaire, vraiment. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que Alpha Condé, tout ce qu'il a fait, ce n'est que ce n'est que chantage politique. Il a fait le chantage, il veut faire chantage politique. Ceux qui sont en prison aujourd'hui, c'est que c'est des otages, c'est tout. Voilà, moi je les appelle même pas, c'est des détenus politiques. Ce sont des otages politiques. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Pour faire le chantage à l'UFDG. C'est que aujourd'hui, quand on regarde, la justice a réqualifié les charges contre les Ousmane Gawal, ceux qui sont en prison. Ils ont réqualifié. Parce qu'auparavant, la justice a dit que c'était quoi? C'était fabrication d'armes, détention d'armes de guerre, ceci, cela, voilà. Et après, la justice est sortie, il a réqualifié. Donc là, quand on est intelligent, on doit comprendre que là il y a un flou. Donc tout ce qui a été dit auparavant, donc c'est faux, c'est archi faux. Voilà. Si M. Alpha Condé se permet de dire ils ont été arrêtés, même un chat, même un mouche, même une mouche n'est sortie. C'est ce qu'il a dit dans les zones d'Afrique. C'est barricadé, c'est armé, il y a l'armée partout, n'importe quoi. Il tue les gens comme des. Voilà, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Donc, si la justice sort. Et requalifier les charges contre ces gens-là, donc cela veut dire que
quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Voilà. Oui. Ça, c'est un. Deuxièmement, on va dialoguer sur quoi? Voilà, la question, c'est la question que moi je me pose. On va dialoguer sur quoi? Voilà. Si, mais moi, je ne cesse pas de rappeler à chaque fois. Il y a trois choses qui ont fait échouer Alpha Condé. Trois choses qui ont fait échouer Alpha Condé. La première, c'est quoi? C'est la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi. Ah oui. Tu sais, non, ouais, après le vrai, je sais normalement, ah, il y a une fille, ça, d'abord, c'est la mauvaise foi. La deuxième chose, c'est quoi? C'est manque d'expérience. D'accord, c'est ok. Voilà, et la troisième chose, c'est quoi? Alpha Condé s'est concentré sur son opposition plus que son programme. Oui. Voilà, il allait. Non, si. Parce qu'il veut. Non, moi, j'avais écrit une fois. J'ai dit Alpha Condé veut tuer deux oiseaux par une seule pierre. C'est-à-dire, il veut gouverner, mais il veut anéantir son opposition aussi. Donc, entre les deux, là, il faut choisir. Oui. Entre les deux, il faut choisir. Il faut choisir une. Oui. Donc, on a vu ce qu'il est en train de faire à l'UFDG, ce qu'il a fait à l'UFR. Donc, mais Alpha Condé, il est en train de tomber dans son propre piège. Comme l'a dit M. Fama Kanté. Tu sais, si vous vous rappelez au Palais du Peuple, Kassori est sorti après la proclamation des résultats. Kassori est sorti et dit ne soyez pas surpris quand on fera la chasse à l'homme. Il avait dit ça, si vous vous rappelez bien. Donc après ça, maintenant ils ont interpellé Ousmane Gawal, ils ont interpellé tout le monde. Donc aujourd'hui, le communiqué de la décision de l'UFDG est salutaire. Moi, j'ai des big up et bravo à eux. Si tous les Guinéens, pas moi qui parle là, je n'ai aucun parti en Guinée, mais moi, aujourd'hui, tout ce qui arrive à Alpha Condé, moi, je me réjouis. Pourquoi? Parce que j'avais dit aux gens, ça, depuis 2010, je dis ce monsieur-là, je n'ai pas confiance à lui. Je n'ai pas confiance. Non, ceux qui me connaissent le savent. Je dis, je n'ai pas confiance à ce monsieur. Voilà, même un vieux maniqué, il m'a dit, mais pourquoi tu n'as pas confiance? Je dis, mais c'est un aventurier et puis c'est quelqu'un qui ne connaît pas ici. C'est un aventurier, voilà. Il est aventurier comme moi aussi, donc les aventuriers, là, leur parole, là, c'est pas... Voilà. Il faut pas... on te présente à... Hein? Quelque chose comme ça, la façade, mais au fond, c'est qu'il y a là, c'est pas ça. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît, il ne faut pas qu'il signale là, pardon. Donc, aujourd'hui, ce que je vais dire, ce que je vais dire aux gens, en Guinée, il y a un côté que les Guinéens ne prennent pas en compte. Parce que souvent, en Guinée, on dit souvent, C'est Dieu qui donne le pouvoir. Oui, d'accord. Tout ce qu'on fait ici, tout ce qu'on fait dans ce monde-là, c'est par le pouvoir de Dieu. Mais attends, ne confondons pas la permission de Dieu et la volonté de Dieu. Il y a une différence entre les deux. Oui. C'est quoi la permission de Dieu? Aujourd'hui, on est là, je suis en train de parler devant vous, mais c'est Dieu qui m'a permis de parler. Oui. C'est Dieu qui permet que quelqu'un vienne au pouvoir. D'accord. Mais est-ce que, en exerçant le pouvoir, est-ce que c'est la volonté de Dieu que celui qui a confié son pouvoir exerce?
est-ce qu'il fait la volonté de Dieu? Je dis non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Voilà, je vous prends un exemple là. Pharaon. La raison. Voilà. Pharaon, qui a permis à Pharaon d'être un roi? C'est Dieu. C'est Dieu qui a permis. Mais est-ce qu'il a fait la volonté de Dieu? Non. Tout le voilà. Contraire. Parce que voilà. Dieu a fait de lui un roi, mais sa dernière demeure sera où? C'est un enfer. Il va finir en enfer. Le Mouroud est dans ça. Voilà. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que tous ceux qui exercent un pouvoir ici, ils seront ressuscités et les mains attachées. Mouridam Birman Diarba, mais Birim Kelemana et Birim Balakre. Et un jugement, voilà, il y a Walina, Donc, revenons, je veux parler un cas aussi. Donc, il faut me dire que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui donne, d'accord. Mais, Dieu, quand tu es président, Dieu t'a interdit de ne pas tuer. Dieu te recommande de respecter les lois. Dieu te recommande de respecter les lois, de respecter tes paroles données. Donc, mais si tu n'arrives pas à faire tout ça, donc là, tu fais ta propre volonté. Et ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Oui. Voilà. Oui. C'est ça. Oui. Donc, revenons maintenant. Il y a un cas aussi. Aujourd'hui, les Guinéens doivent comprendre quelque chose. Pourquoi c'est loup ou bien un bon Guinéen ne pas arrivé? On parle de Selou aujourd'hui parce que c'est lui qui est plus visible. Pourquoi Selou n'est pas président en Guinée jusqu'à présent? Il y a des choses. La première, c'est quoi? Est-ce que les Guinéens méritent Selou? Ou bien est-ce que les Guinéens méritent un bon président à l'heure actuelle? C'est ça. Ma réponse c'est quoi? La Guinée ne mérite pas d'abord un bon président comme Selou. Pourquoi? Parce que la majorité des Guinéens, la plupart sont des démagogues, ce sont des lâches. Tu sais? Non, mais c'est la vérité. Oui. Donc, à l'heure actuelle, c'est Alpha Condé, c'est Alpha Condé que les Guinéens méritent. Pourquoi? C'est pas parce que Alpha Condé mérite d'être président, mais c'est par rapport au comportement des Guinéens. C'est par rapport à notre lâcheté. C'est par rapport à notre démagogie. À notre hypocrisie. Oui. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Kama takununa yuwalla alaykum. Comme vous êtes, c'est la même manière que vous serez dirigé. Oui. Donc, comme il y a un philosophe qui dit aussi que le peuple, les dirigeants sont à l'image de leur peuple. Oui. Les dirigeants sont à l'image de leur peuple. Oui. Un bon peuple, un peuple juste, un peuple sincère aura toujours des bons dirigeants. Oui. Un peuple majoritairement haineux aura toujours des dirigeants qui vont les juffler. Alors, Dieu a dit
وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُحْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. Qu'est-ce que Dieu a dit? Que si nous voulons détruire une cité, que nous recommandons aux gens, aux personnes aisées de cette cité, c'est-à-dire les intellectuels, les riches, d'être honnêtes. Mais que ces derniers vont refuser d'être honnêtes. Donc Dieu dit qu'il va détruire cette cité-là. Après, il quitte là-bas. Il revient au peuple maintenant. Il dit « Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim » Que Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant que ce même état ne change pas ce qui est à lui-même. C'est vrai. Donc le peuple de Guinée, nous devons nous remettre en cause. Pourquoi on a tout? Pourquoi on a tout, mais on souffre. Il y a des gens qui viennent, nous maltraitent, parce qu'on a raté, l'occasion depuis 2010. Parce que c'était une occasion nette pour les Guinéens d'élire un président. J'ai écouté Fassina Touré. J'ai même diffusé cette vidéo-là. Il a parlé de nos imams, les imams de la basse-côte, de Mdisfé Nandangui. Il a même dit que tout ce que les Guinéens sont en train de subir aujourd'hui, c'est par la faute des imams de la basse-côte. Fassina Touré a dit, la vidéo existe encore. Il est sur ma chaîne YouTube. Il avait dit ça. Donc, est-ce que les invocations que nous faisons tous les jours, qu'on fait tous les jours, est-ce que ces invocations sont exaucées? Je dis non. Par exemple, moi et Aji, par exemple, on a fait un peu de Aji, on a la marque de bonheur. Mais en tant que mandat, non, bonheur, on a qui agimola marasto, on a la marasto. Est-ce que Yo. Voilà. Yo. Donc la démagogie bara la Guinée après on nakana. Erato. Et même année, il n'a une telle personne dit mon film en guerre. Erato. C'est pour que l'on n'a rien de répondre quoi. Mais rien rate d'ailleurs. Ana iba ke Asilou ne sera pas président. Je dis bah peut-être c'est toi qui assistais Dieu quand il traçait le destin des gens. Peut-être tu étais là. Tu étais l'assistant de Dieu. Donc il y a quatre choses mais mon oncle on dit il y a hein, c'est pourquoi il y a destin ton qui à la fin de la mystère là destin là. Voilà, le destin c'est un mystère de Dieu. Oui, Dieu a des comme rio bar mon nyama il y a quatre choses Dieu il a recommandé moi malek ma gna sabe. Est-ce que tu seras un homme malheureux ou un homme heureux, les deux là. Et ce que tu vas avoir dans ce monde-là, hein? Et l'âge que l'être humain va avoir. Aujourd'hui, voilà, tout ce que nous sommes en train de raconter aujourd'hui, Dieu a dit, wa nwalli zalimina ba'dahum ba'da. C'est que nous ferons régner les injustes par les injustes. C'est ça, donc, c'est la question aujourd'hui, chez nous, c'est ça le problème. Les gens sont là, ils disent que, bon, telle personne ne doit pas être président, telle personne ne doit pas avoir ce bonheur-là. Mais, il faut nettoyer nos cœurs d'abord. Commençons par nos cœurs. Si nous ne faisons pas attention, je vous jure, si nous continuons sur ce chemin-là, si nous ne changeons pas, ceux qui vont venir même après Alpha Condé seront pires qu'Alpha Condé. Oui. On a un souci, c'est une famille là. D'accord. Et bien, mon souci là,
vraiment sur la bande. Donc, c'était ça. Voilà. Merci. Je remercie M. Fadiga. Nous allons conseiller les Guinéens. Allô, Fadiga n'a pas la règle. Il a parfaitement raison. Mais je vais vous dire, le combat aujourd'hui que nous menons sur ce terrain-là ici, on en a pas fait mourir. C'est-à-dire, nous faisons ce combat pour tous les Guinéens. Tous les Guinéens. Ouais. Comme je vous ai dit, ceux qui sont intelligents, ils doivent lire très bien. Maman, sur la caméra, là, on ne te voit pas bien. Oh, d'accord. D'accord, attendez. Voilà, c'est bon. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai dit, ceux qui ont vu la déclaration de l'UFDG, ils doivent lire très bien pour comprendre ce que l'UFDG veut dire. Nous voulons trouver ce pays-là. Notre objectif, c'est le combat là que nous menons sur ce terrain-là. Nous prenons beaucoup de risques à tous les prix. Mais je vais vous dire, je vais rassurer tout le monde. Je l'ai dit ici. Je viens de vous dire ici. Je dis, le président de l'UFDG, le président de la République de Guinée, démocratiquement élu, au milieu de l'élection de l'Ankouya le 18 octobre 2020, il a été élu par l'ensemble des Guinéens. La voix issue des urnes. Je sais ce que je vous dis. Je ne suis pas quelqu'un qui milite dans le parti, en dehors du parti. Je vis dans le parti. Je vis dans ça depuis 2010. Je suis dans ça. Quelle seconde que le monde a dit, je suis dans l'emploi, je suis dans l'oie, je sais ce que je vous dis. 2010, Seloudal a gagné les élections parmi les 24 candidats. Seloudal Ngalo a eu 52%. 2010, premier tour. Premier tour, je vous dis, ça c'est le résultat de 2010, premier tour. Il y a quelqu'un qui vient, ma Guinée Basiga, la Guinée en colère. Il a dit qu'il y a personne qui vient de préciser. C'est un homme de la paix. C'est un homme qui vient de stabilité dans ce pays-là. D'accord. Je vais vous dire en 2010. Monsieur Kavala, moi, on va gawan fait toucher d'un roti. Ça c'est important. Laisse-le finir ici. Les militants de l'UFDG, quand ils viennent sur la page là, ils ont la totale liberté de s'exprimer. C'est ça dit. Imaginez, 2010 là, c'est Lula Lento gagne l'élection présidentielle, premier tour. Après, il y a un monté. Et tout fait monté. Il y a eu des représailles à Sigrin où des Guinéens ont été cherchés. Il y a Bangrina Gang, Kouroussa, Mandiana, Kankan, Kirwani, Daboula. Natouraba. Et là, Mohamed Salou Kamara, le premier imam de la grande mosquée Faisal, est témoin. Monseigneur Vincent Koulibaly est témoin. Le général Mathurin Bangoura est témoin. Le général Tsekouba Konaté est témoin. Natouraba, il y a eu des gens, dans le président et modèle Fangaraba, moi en Guinée. Seloudal n'a pas accepté. Seloudal s'est mis à appeler les gens. Maintenant, il fallait bien, à Seloudal, nous, Alpha Condé, comme étant en qualifié deuxième tour. Et grâce à Boessara Sabati, il est au maté au cuit. Seloudal, lui, s'est mis. On a été sa commission à disposition. Et dans ce cas, et nous, mon cher Vincent Koulibana, dont il est Kiri, et nous, Mathurin Mangoula Nana, et nous, c'est vraiment dit, le premier membre de la grande mosquée Faisal,
et d'autres médiateurs étaient là. Ils attendaient Alpha Condé de venir. Il y a des avions qui sont là. Il y a des retours de la Guinée. Il y a des Kankan. Il y a des Kankan. Ils étaient à l'aéroport. Ils attendaient Alpha Condé. Alpha Condé. Il a refusé. Alors, à Mouskab. Il ne faut pas négocier avec lui. Ça, c'est pour dire à ma soeur, la Guinée en colère, que si Selou Daleng Diallo, c'est un homme de la paix. Tout ce qu'il accepte dans ce pays-là, non. Vous pensez qu'il n'est pas réfléchi? Il est réfléchi. Ça, quand même, ce qu'il a accepté, moi, en tant que femme, je ne peux pas accepter. En tant que femme. Si la Guinée doit déménager, donc, ça va déménager. C'est-à-dire que la Guinée donc, Mara, ils doivent comprendre notre déclaration. Tout est dit dedans, sans commentaire. Seulement, il faut lire, il faut réfléchir, la tête va parler. Mais je vais vous rassurer que oui, le parti, cette fois-ci, le parti ne va pas fléchir. Voilà, Bilaï. Donc, on a en face dans des manies. Ça, c'est bien. Peut-être on pourra parler de, voilà, d'autres sujets. Agi, si tu permets, je vais te dire deux mots là. Moi, personnellement. S'il vous plaît, vous mélangez français et sous là, parce que okay. Tout le monde ne comprend pas. Ah, d'accord. Avant l'élection de 2020, un jour, moi, j'ai pris le temps. Je suis parti, j'ai dit au bon Dieu, j'ai prié deux rakats. Je dis, Alpha Condé, Dieu, tu sais, tu connais mon intention. Alpha Condé, c'est quelqu'un que je n'ai jamais... Voilà, oui. Non, ça, je ne cache pas. C'est quelqu'un que voilà, son pouvoir, là, son régime, là, je n'ai jamais aimé son régime. Et là, j'ai mes raisons. Et voilà, Dieu a prouvé ça aussi. Parce que tout ce que je fais la consultation, c'est ce qu'on appelle al-istikhara. C'est que la prière de consultation, je fais. Je dis... Entre tous ces leaders là, mon Dieu, je ne veux pas choisir par émotion, mais entre tous ces leaders là, montre-moi un leader à qui je vais suivre. Billah wallah. Je fais, c'est que quand j'ai fini, c'est que mon cœur a branché vers ce loup. Ah oui. Donc là, Dieu a fait ça pour moi. Donc tout ça là, pourquoi? Parce que le monsieur, il subit l'injustice. Je ne dis pas que c'est le saint. Personne n'est saint. Mais le monsieur, il mérite mieux. Il mérite mieux. Il faut que les gens arrêtent de traiter de lui. Il faut que les gens arrêtent de le traiter de n'importe quoi. Oui. Donc, c'était ça. Quand vous voulez. Ouf, le caraman. Oh, le famantro. À cet âge-là. Bon, moi, ce que j'avais à dire là, je crois que vraiment Sora a tout dit. Nous, je ne veux même pas tarder sur ça. Il n'y a pas de débat. Donc, la position, elle est déjà connue et reconnue. On ne peut pas aller au dialogue avec quelqu'un qui a étudié le mensonge dans sa vie, quelqu'un qui a étudié comment tromper les gens, quelqu'un qui a étudié comment vendre le rêve à tout un peuple. Donc, déjà, les militants aujourd'hui, tout le monde attend la position du parti par rapport à cette question de dialogue.
tout le monde attend aujourd'hui le parti au tournant par rapport à ce qui Ibrahima Sori. Ibrahima Sori. Toi qui es au palais là-bas, à la résidence, dis à la première dame et dis au président que tout le monde attend le parti au tournant par rapport à cette question de dialogue. Et les militants, aujourd'hui, le parti n'est pas sans savoir que combien de fois le RPG aujourd'hui tente de décapiter l'UFDG. Le oui, RPG oui, tente de tuer l'UFDG. Le RPG, voilà, le RPG passe par les fils, les personnes qui sont des racines de l'UFDG aujourd'hui, ils passent par ces gens-là pour pouvoir anéantir l'UFDG. Donc la oui, confiance oui. La confiance que les militants portent à ce parti aujourd'hui, le seul espoir aujourd'hui, c'est ce dialogue-là. Parce que les militants oui. savent que avec le problème de dialogue, on tient Alpha Condé au cou et on l'a collé au mur. Il ne peut pas bouger. Ouais. Ouais. Donc, quand j'ai lu le communiqué, la déclaration du parti, je suis rassuré. Mais Soso et Nara l'aligné, Bokonien a aligné ma fouille, ma. Ah oui, Nathan. Aujourd'hui, j'étais assis, j'ai reçu un message sur ma page d'un militant. D'un militant de l'UFDG, le militant en question, il est en Haute-Guinée. Mm-hmm. C'est un malinqué. Mm-hmm. Un malinqué. Oui. Il me dit, mon frère, est-ce que je peux parler? Est-il possible de discuter avec toi? J'ai dit oui. Il m'a envoyé un message en me disant que lui, il est en Haute-Guinée et qu'il est militant de l'UFDG. Mais que tout l'espoir qu'il a aujourd'hui, c'est de ne pas aller au dialogue. Que si le président se loupe par le dialogue, que tout ce que Alpha dit ou tout ce que le RPG dit sur l'UFDG, ça veut dire que c'est la vérité. Oui. Il a raison, hein, madame. Ah ouais. Ouais. Donc, depuis 2010, le président Selou, le ouais. parti, a patienté, est parti au dialogue. Nous sommes aujourd'hui oui. en 2021, 10 ans. Oui. Oui. Tous les dialogues que le parti a participé, qu'est-ce que le parti a bénéficié de ces dialogues-là? Qu'est-ce que le parti a bénéficié? Les engagements qui ont été pris, est-ce que ces engagements-là ont été respectés? Donc, ces engagements n'ont pas été respectés. Donc, pourquoi le parti, à nouveau, ira au dialogue avec nous? Quand l'UFDG partira au dialogue, c'est couper la tête du parti. Si l'UFDG ouais, part au dialogue, l'UFDG a coupé la tête du parti. Donc, ouais. chers militants qui nous écoutent, vos combattants vous disent que le parti est une. Le parti est unanime là-dessus. Nous n'irons pas. Il n'y a pas de son. On va Gawal fait attaquer. Non, on va me faire la Gawal fait là.
Non, mais Sarah, parce que moi, ce qui m'inquiète sur cette histoire de Gawal là, déjà, brusquement, voilà, non, non, on va finir le dialogue. Le dialogue, là, moi, je n'ai rien dit. Donc, concernant le dialogue là, Docteur anglais d'Angui, il va m'assurer. Docteur anglais, à la résidence, mais l'amour direct et suivi. Il est à la résidence, il ne suit pas le direct. Ah non. Donc, Donc, voilà. ce que moi j'ai à dire par rapport à ce dialogue, tout ce que vous avez dit là, chacun son idée, c'est à peu près pareil. Moi, je suis contre cette histoire de dialogue de toute façon. Parce qu'on ne peut pas dialoguer avec un menteur, on ne peut pas dialoguer avec quelqu'un qui est sans foi ni loi, il ne respecte rien. C'est-à-dire, en ce moment, ce qui se passe, ce que moi j'ai remarqué, ça c'est mon point de vue, je pense qu'il est dos au mur, il est en position de faiblesse. Vous savez, en face, c'est un malade mental. La maladie qu'il a là, c'est le genre de personne qui veut faire croire qu'il est en position de force. Tandis qu'il est en position de faiblesse. Voilà. Il ne faut pas penser qu'il est en position de force. Hein. Il est en position de faiblesse. Parce que depuis à la temps, le voleur et le menteur, ils ne sont jamais tranquilles. Et lui, il est voleur et il ment. Donc, il n'est pas tranquille. En plus, il est malade. Donc, ces jours-ci, vous voyez. Tous les mois passés, tout ce qu'il a dit sur la France, nous avons tous entendu ça. Ouais, comme il y a eu sa France, si celui-là dit ces jours-ci là d'être reconnaissant ou de remercier la France, il faut se poser des questions. C'est de la manipulation. Si les gens de l'UFDG, les militants, les sympathisants ou quoi, tous les groupes là, se disent oui, affaire des Alpha, c'est fini. Vous avez vu ce genre Alpha, ce n'est jamais fini. Il ne faut jamais dire que c'est fini avec lui. Parce que le moment où tu penses que c'est fini, c'est de la manipulation. C'est comme les gens qui sont toujours en train de pleurer. Dès qu'il y a un petit bruit là-bas, ainsi de suite. Toute ta vie, et t'a mis Donc, militants du FDG, sympathisants et tous ceux qui ont voté ou tous ceux qui veulent un petit changement, en ce moment, c'est la seule petite fenêtre. Ce n'est même pas une porte, c'est une fenêtre de sortie. Si les gens capitulent ou baissent leurs armes, même dans leurs armes, parce qu'il faut se battre avec même son âme, avec son cœur, avec sa foi, il faut se battre. Il faut tout utiliser dans le sens de l'islam, dans le sens de celui qui nous a créés, dans le sens d'Allah. Là, vous allez vous dire que non, ça va. Là, vous savez, Alpha, rien en France m'a dit, vous savez, monsieur. Il est français. Il a passé plus de temps en France. Il ne se sent mieux. Nulle part si ce n'est pas en France. Il est rassuré en France. Il va venir se soigner, il sera mieux soigné ici. Et le côté orgueil, le côté reconnaissance, Sidi Touré, monsieur Sidi Touré est en France, je ne sais pas quel jour, il est en Belgique. C'est les petites choses-là qui font mal à Alpha. Alpha est comme les filles de quartier, là. Les filles de quartier bas de gamme. Lui, il est comme ça. Donc, quand vous lui sortez les lois, les grosses lois, les gros textes, ça ne l'intéresse pas, ça ne l'arrange pas. Donc, vous êtes sur ça, sur des grands trucs politiques. Lui, il est là à chercher les petites faiblesses, à tirer par-ci, par-là. Quand vous arrivez là-bas, lui, il est déjà par ici. Il y a un panthéon, il a toujours. C'est-à-dire, il a toujours un plan pour descendre l'autre. Toi, tu penses que vous êtes face à face? Non, il fait semblant d'être face à toi, mais il a déjà les yeux ailleurs. Donc, quand c'est quelqu'un qui est comme ça, là où il est là, il a besoin d'argent. Il a énormément besoin d'argent. Même si on leur donne de l'argent, il en veut encore. Il a besoin de la reconnaissance de la France. Il veut être libre. Dès que l'UFDG, le mot dialogue là, va commencer à aller dans ce sens, même si ce n'est pas pour le dialogue, la communauté internationale va se dire, ah, ça commence à aller. Puisque la Guinée, c'est toujours comme ça. Nous, on est des récidivistes. On est toujours, c'est le même scénario. C'est le même scénario. Cette fois-ci, c'est l'occasion de stopper ce scénario-là pour que tout le monde dise que, ah, cette fois-ci, ça ne s'est pas passé comme la fois dernière. Les gens sont toujours en train de parler de 2010, la déception qu'ils ont eue. La déception qu'ils ont eue parce que Alpha, son objectif, c'est faire disparaître tous les partis politiques. C'est l'UFDG qui riposte et qui résiste. Il faut continuer à riposter.
et à résister. Ceux qui sont en prison, ceux qui ont voté, les cadres, tous ceux qui sont dans ce parti ou les alliés, il faudrait qu'ils sachent une chose. Ils se battent toutes ces années pour l'eau, l'électricité, les études des enfants, les écoles, les hôpitaux, tout ça. Rien n'a été réglé. Ils sont en prison, hein, mais ça n'a pas changé. Les résultats sont en stand-by, donc rien n'a bougé, rien n'a changé. Donc, le combat, l'objectif n'est pas atteint. Pour les choses pour lesquelles l'UFDG s'est battu, tous ces partis se sont battus, Alpha s'est battu pour la même chose, il y a plus de 40 ans. Mais on est toujours au même niveau. On n'a toujours pas d'école, l'électricité est bancale, l'eau n'en parlons pas, la saleté, je ne sais même pas. On dirait que c'est un sens interdit pour l'hygiène dans ce pays. Donc, il n'a mais guérébar non. Lui, il a échoué. Il va faire échouer les autres en faisant croire aux autres que vous êtes en position de faiblesse. Non. Il ne faut pas que l'UFDG se mette dans la tête. Hein. Ils ne sont pas en position de faiblesse. C'est lui qui est en position de faiblesse. Celui qui a besoin de reconnaissance. Vous savez, un pauvre, il n'a pas peur de devenir pauvre. Il est déjà pauvre. Qu'est-ce que je veux dire? C'est lui qui a goûté à là où il est là. C'est lui qui a cherché ça plus de 40 ans. Il a passé toute sa vie à chercher ça. C'est lui qui veut mourir là-bas. L'autre avec qui il est en concurrence là, où ils sont sur le « c'est moi qui ai gagné, c'est toi qui as gagné » et « Nebore Matan Difi », lui, il n'a pas encore goûté ce qu'il y a là-bas. Donc, il n'a pas peur. C'est lui qui a peur de quitter là où il est, parce que la prison l'attend, sûrement l'humiliation l'attend, ça ne sera plus les mêmes conditions de vie. Il est tellement orgueilleux. « Agouimon so manade, awa manakouina ne sofe IFDG mifide » comme celui qui a appelé Agi pour dire « Ah, nous, on vous avait dit, ah, les gens, là, ils ne connaissent pas la politique. Ah, les gens, là, c'est les Gawa. Si c'est ethniquement, ah, les peuples, là, c'est les Gawa. » Donc, il faut penser à tous ces facteurs. Les 13 millions de personnes, là, qu'ils le veulent ou non, qu'ils soient avec vous ou pas, la majeure partie ne veut pas de Alpha. La majeure partie n'est pas contente de son, de ses conditions de vie. Mais les Mouniarlines sont ravis, là. Les Guinéens sont ravis. Donc, il y a un peu d'espoir. Ouais. Tant que l'UFDG dit non, il y a un peu d'espoir pour ces gens-là. Moi, les appels que j'ai reçus, j'ai été surprise. Parce que des gens qui n'aiment pas l'UFDG, qui m'appellent d'ailleurs. Hé, l'UFDG, là, tu dis l'autre. J'ai dit, mais dis donc, vous n'êtes pas de l'UFDG, je ne suis pas de l'UFDG. S'ils veulent accepter. Non. Vous avez vu comment les gens sont. Là où l'UFDG va comprendre que c'est grave, cette décision est grave et cette décision est d'une décision capitale, c'est quand ils vont accepter ce dialogue-là. C'est là que les gens vont. Non, ils ne vont pas accepter. Non! Au cas où les Guinéens sont très hypocrites. Les gens qui m'ont appelé, j'étais dépassée. J'ai dit, mais pourquoi? Vous n'êtes pas de l'UFDG, mais... vous ne voulez pas les Dalek. S'ils reconnaissent, s'ils ne reconnaissent pas, qu'est-ce que ça change? Non, mais tu sais, il y a des gens qui sont... Quand on a amiré, t'as gagné. Il faut qu'en conclusion, ouais. C'est lui qui est en position de faiblesse. Maintenant, il faut que ça reste dans la tête de la communauté internationale que l'UFDG est sur sa position et dit qu'il s'en fout de la communauté internationale. Ce n'est pas vrai, il ne s'en fout pas. Et il faut que les Guinéens mettent une chose dans leur tête. Alpha n'est pas comme les autres présidents guinéens. Alpha est français. Guinée Kaba est française. Il faut mettre ça dans vos têtes. La France est dirigée, la Guinée est dirigée par la France, parce que ça, c'est un français. Il a commencé sa politique en France. Il a commencé ses manifestations en France. Il a fait ses études en France. Donc, quand il partait en Guinée là, pour les élections, il venait de la France. Ça, ce n'est pas une route. Qu'on le tout voulait. Et tout le monde voulait dans tout. C'est-à-dire, il est né pour mentir. Elle est payée pour mentir. Et il a voulu dans tout. Et il a voulu. C'est-à-dire, la seule usine qu'il a réussi à fabriquer en Guinée, c'est l'usine de mensonges. À sa minute, il a fait un minute en Guinée. Limite, il a voulu. C'est-à-dire, Alpha me dépasse. Parce que vous êtes un bon modèle de l'armée. Je remercie l'armée française, Missé. C'est-à-dire, quand il a remis en face à temps, regardez comment il est ces jours-ci-là. Le visage comme ça, son nez là encore plus gros, c'est un qui parle de dinosaure. A une poulie, il faudra le revêtir. Avoir nous font déjà arriver. Donc, c'est pitoyable. Je suis désolée, mais c'est très, très pitoyable. Les gens qui sont autour de lui sont méchants. Et dans la raconte, il faut trouver une solution pour stopper ça. Et pour l'instant, il n'y a aucune autre solution.
si ce n'est pas l'UFDG. Tu aimes l'UFDG, il n'y a pas de solution. Tu n'aimes pas l'UFDG, il n'y a pas de solution. Donc, si tu veux une petite lueur, là, pour y kakemenene, puis, quand on va y en faire un peu, il reste la terre, il n'y a pas de terre, il n'y a pas de. Donc, il faut penser à tout. Il faut penser à toutes ces personnes qui souffrent, les casses des maisons, là, les Roger Bamba, les ceux qui sont en prison, les Founkemenge, toutes ces personnes, même s'ils ne sont pas de l'UFDG, mais la plupart, ça vient de cette histoire du troisième mandat, là. Donc, mais moi, c'est ce que je devais dire par rapport à la négociation ou le dialogue. Maintenant, on va dire quelques mots sur Gawad, cette histoire d'or, si c'est vrai. Moi, je dis aux gens là-bas d'être très, très vigilants. Pardon, il y a des orpailleurs, c'est vrai, il y a des gens qui sont venus pour leur boulot. Ça, c'est leur boulot. On va dire qu'il y a de l'or, je ne sais pas où, ils vont aller là-bas. Mais avec ce qui se passe dans ce pays, avec ce pervers politique-là, c'est un animal politique, c'est un animal sauvage, ce n'est pas un animal politique. Alpha, il faut le mettre en cage. Animal sauvage qui ne gagne pas, un vieux qui devait nous reconstruire. Il ne fait que tout bousiller, il ne fait que tout gâter. Hey. Animal politique, là, Madame Camara, comme les gens de Gawad. Les gens de Gawad, il faut faire attention. Ce sont vos frères qui sont venus. Il faut les accueillir. Mais il faut être très, 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 très vigilant. Parce que moi, je suis sûr et certaine à 50%, ils ont sûrement mis des petits rebelles là-bas. Ils vont aller foutre le trouble. Déjà que c'est la zone de Gawad. Attendez, hein. La tribune qui est sortie. C'était le nom de qui était devant? C'était Gawad. Les gens qui sont en prison écrivent une tribune. Et la tribune là est partout. Ça prend toute la Guinée des prisonniers. À part cela, même pas une semaine, c'est à Gawad que les orpailleurs vont tomber. Regarde tout ce monde qui est parti. Dans le même Gawad là, dans la ville de ce Gawad là. C'est-à-dire, à Kassanama Bere, à Khaterema, Mereragi, Sendefeluna, et Kassapakunara. Il faut voir la succession des choses. Quand vous êtes là, il vous amène là-bas. Quand vous êtes là-bas, il vient par ici. Sentane to e rawoli nanaki. Sentane to mura kara. Ala ka mi nan stagne ma afara ntan na ikira ne. Sentane to tan na ne yiri ara mara kara. Donc il faut être quoi? Quand il parle de ci, il parle de ça, il parle de Paul, il parle de Pierre, ça a commencé pour où? Élection, les résultats. Moi j'ai gagné. Point barre. Même sa femme, ils vont passer par elle. Ils vont passer par ses enfants. Ils vont passer par tout le monde. Pour essayer de déstabiliser ce monsieur-là, pour essayer de déstabiliser ce parti, il faut dire non. Moi, j'ai gagné. Mon problème, c'est là-bas. Si tu veux venir prendre ma femme, Naka est premier ministre. Prends. Vas-y. Il faut être premier ministre. Mais moi, j'ai gagné. Il faut. Lui, Alpha a toujours voulu quelque chose. Il est resté là-bas. Il n'a pas négocié avec quelqu'un. Il n'a jamais rien accepté pour personne. Pourquoi vous allez toujours accepter? Et puis, le côté qu'on dise, non, vous n'aimez pas la paix. Ah, c'est vous qui êtes des ennemis de la Guinée. Le premier ennemi de la Guinée, c'est qui? C'est Alpha. Tous les faux problèmes qu'il y a eu en Guinée, il a toujours été dedans. Tous les faux problèmes. Il a été condamné combien de fois? Donc, on a pris la paix jusqu'ici. On n'est pas dans les rues, on n'a pas d'armes, on n'a rien. Mais les résultats, là, on est là-bas. Donc, c'est ça. Moi, en gros, c'est ça. Le point, c'est il faut qu'on continue à le pousser avec son gros nez là. Un vilain comme ça. Moi, je vais rajouter deux choses là après. Moi, je vais vous quitter. Monsieur Kamaradi Adunoti, ce que je vais dire là, si nous pensons très bien, tu sais, parfois, un être humain doit méditer. Il faut t'asseoir parfois et méditer. Ouais. Le combat de ce loup, moi, j'ai beaucoup réfléchi. Ce loup en train de mener deux combats. Premier combat, c'est pour l'ensemble de la des Guinéens. Et son deuxième combat, c'est quoi? C'est Dieu en train de venger l'ensemble de Conté à travers ce loup d'aller. Oui, bien sûr. Voilà, si nous prenons tous les ministres de Dalin, d'Alassane Conté, paix à son âme. Le ministre que j'ai vu, je ne sais pas s'il y a un autre ministre fidèle à Alassane Conté, plus que c'est loup. Je ne crois pas. J'y étais parti une fois là-bas.
il a montré les photos, la photo de Nansana Conté. Et les ministres qui sont, tous les ministres qui ont été avec, avec Nansana Conté, je ne crois pas s'il y a un parmi eux aujourd'hui hein, qui garde une photo de Nansana Conté. Hein? Peut-être qu'il est dans pas, son album, mais il voilà. Tu vas, donc, tu vas continuer à parler. Continue à parler. Attends, je vais te montrer. Quoi? Voilà. Voilà, justement. Donc, les conteïstes, Dieu est en train de se faire. Non. Mais Dieu a pris quelqu'un qui était fidèle à lui. Erato. Ana ifo nga fa ikha jimrira tagan. Parce que là c'est dans c'est Alpha Condé atanan c'est dans tagan. Allô Abakar, Abakar Souma na fala ma kenare. Abakar Souma. Ah moule ça na ou ma. Abakar Souma na depite. Non, Abakar an c'est dans fala. Donc, a c'est dans bidé voilà. C'est pour que khanya mirin de tonake way ma na way na kan fala. C'est pour que na a vidéo ça. Donc, Conté est la mané au moins il reste dans il reste le temps soutenir. Parce que celui-là, il n'y a pas de chauffer, il n'y a pas de chauffer. C'est tout. Il n'y a pas de chauffer. Mais il n'y a pas de chauffer. Mais il n'y a pas de chauffer. Après le départ de Alpha, chaque ethnie va voter pour son ethnie. Ce n'est pas faux. La personne a raison. Ça, c'est une chance, ça. On va le regretter. Ah. À Oumougi traité, à Kina Kayama. Wallahi, les Guinéens, nous allons regretter cela. Tu sais, les Guinéens pensent que le pire, c'est la guerre civile. La guerre civile, ce n'est rien. Les pays de à côté de nous, ils ont fait des guerres. Mais ils sont mieux que nous. Non, non, mais la France l'a fait, la guerre. Madame Kamara, les États-Unis, Kamara, c'est qui a... Non, non, Madame Kamara, attends. Ce qui est en Guinée est, plus, est pire que la guerre civile. Monsieur Camara, après la présidence de l'Ouvert, présidence de l'Ouvert, il a fait un peu de temps. Nous, à ce moment-là, laissez-la min dounillahi kashifa. Voilà, donc, nous voilà, ben, image qu'on est là. Parce qu'il me rendra qu'il faut faire bombarder elle. Il reprend elle. Donc, on en a qui. Salam alaikum, merci à tout le monde. Et voilà. Et bonne nuit à tous. Merci. Ok, merci. Bonne nuit, bonne nuit. Okay, au revoir. Imagine. À la bara, il est la minibé, la hamou yiri. Ah, yem, il y a prophétie, rayamba, il y a prophétie raté. Il y a infrastructure, il y a rassotoyé, sotoyé, colfagé, sotosien, ramouni, rogne. À la bara, la minibé. Et la manière ton difficilement. Et mon doulaki. Il a ton di menera exploité, il y a l'alpa condérata, il a ton di. Wallai. Parce que Amé Mounafama, tout ce qui est à Bokémoto, Boké Nakanere,
C'est-à-dire, exploitation abusive là. Mais ils vont regretter ça. Éducation barayon haute Guinée. Dis-moi, vous rentrez sur le même. 95% des jeunes de la haute Guinée et bien naïli qui et bien n'a golfé il n'a qui et bien golfé il n'a qui. Bien frère, bien amie. Haute Guinée, environnement barakana. Environnement barakana. La chaleur. Et ça, la théma, mais il manque où il est bien, mais il y a des mots à manger. Et ça, la théma, il manque où il est bien, mais. Le prédicateur saoudien, Ramfabi, et sa famille, il m'a fait manger. Le grand prédicateur saoudien qui est venu en Guinée, à faire alcool, à faire les gnecs, il m'a dit, il est resté à on l'a assassiné à manger. Il a compris. Donc, on a une erreur. Et vous qui rafiez par là. Après, vous avez un rafiez par là. Il a un nom de ma vie. C'est mon vœu le plus ardent. À la barre d'Aramoune, Dunia Bimbarakon, d'Aramoune, Naké Bimbarakon, d'Aramoune, à la mara exploité. Mais il n'a pas de tintara exploité. Il est Alpha Condé Tanga et Tangile. Il a exploité. Bandia, la Timarena. Dimou Moussame, Gawal Solom, Rémo Karama. Environnement Karamane. Et vous savez, c'est stomac. Il va comme une mousse, c'est stomac. Il va le voir, il y a pas ce que c'est. Il y a des écoles à bouffe à table, pas mon an à qui. Nous, mais tout anti alpha connaît noir clan et au mat d'arabe de ce qui tient rien il boke ma tout il a dit khol roi na na men bengbere na na men école na canapé men il bouffe ma tout la même chose donc amoula fay yobuna ala manga fay fi mala wona ngay gawal qatem mehelu fe kobina ambri sara hot guiné ngay ba sa kel kure mali ngay ba sa kel tigini ngay ba sa kel mangara ngay ba sa kel tintiya ngay bi mbar se ko ala men nek et bien mari ko sa gawal ma magine mu gawal ke mu na famma et puis nga fekir balebe abi mu na famma gu et puis nga fekir balebe ikha yetera lui ya famma ne confisqué ni ta ko fini dang ma hutu gina ni en araba meni alpha konde ga itaiki ina alhamdulillah be hay suna ba fi gawal ya koskosia on pig bete me maya. Justement. Ils peuvent transformer ça en un débat communautaire. C'est vous dire. Oui. C'est pour cela, ce régime-là, il faut qu'on soit très méfiant avec Alpha Condé. Oui, très, très. Alpha Condé. Et c'est à ce moment-là que ça se passe.
Alpha Condé président là, Mangana là. C'est-à-dire confusion Mangana là, nous confusion. Confusion la femme, conflit la femme. Parce qu'Alpha Condé est en Haïti, imaginez. La Guinée, autant n'a faute d'année, Toré n'a pas d'abord et puis, il nous sauve tout. Il a 50 000 francs sur l'Ira Guinée, à Raska Makiti. Il y a un minima, il faut y cambaye d'eau. Il cambaye d'un doma. Horoway sur Horoway. Il n'a pas de vie. On a la 2010 sur la vie. Quartier n'a pas de Toro à quartier, mais quartier présidentiel. Alpha Condé n'a pas d'abord et n'a pas d'abord. Il y a un conseiller, il sera ma bidon dans le coup. Après 10 ans de gouvernement, il y a 10 ans. Monsieur Li. Donc, à Dorbon et Bini, ça y est, monsieur Li, dans Roy. Où les Nanaki? À tout courage, guerre à Roy. À mon papa, pour Rouni, Felina militante. Alpha Condé, Dorbon et Bini, va y avoir ma mène. Et puis, il est dans ma raille de souris là. Et dans ma Alpha Condé, dans la cour de la caisse, courage, dans Roy. Non, mais c'est pas moi. Donc Alpha Condé il y a un problème. Bien, on a dit que nous sommes bien fous, mon gars. L'école primaire qui est plus proche, l'école primaire, on a Alpha Condé à l'école, même 7 ans. On a dénoncé son âne, et pas tablement, il y a son école. Mouton a fait pour la radio, mais mouton a fait pour la radio. Et pas tablement, il y a son âne. Mais ce qui manque pas, c'est que c'est un âne, Boulobiné, agite à même colo. C'est un 7 ans, RTL 7 ans, l'école primaire, on a mené. L'école primaire n'a pas de nec. Mais il y a sa moto. 22 école, Federico Mayor. Federico Mayor, parce que il y a sa moto. 10 médors borinés. 10 médors borinés. Il n'a rien fait, il n'a rien fait. Salut! Il y a une image là-bas, une vidéo. Il y a une montagne. Imaginez, il y a une école dans l'école. Il y a une école dans l'école. Il y a une grande mosquée. Vraiment, une mosquée sénégalaise. Il y a une école dans l'école. École du centre, mais y a Guinée, la Guinée, ben, on signe la Rome. Donc, c'est pour vous dire que, à la drame, il y a eu au Maïderi, on a t'il à exploiter Alpha Condé en Haïti, à Maramo, au Munafama. Là, on a encore le Tongoma, et Tongoma, et ça est posé, et donc, et c'est né. On va la ministre, on va au président de la Cour constitutionnelle, a fait, mais à poste social. 3 milliards de francs guinéens. Ah, tu vas sombrer là, il va nous faire à Dakar. À notaire, 3 milliards de francs guinéens. Notaire, lui, à Guy, 3 milliards de francs guinéens. Président de la Cour constitutionnelle. Guy Momorba, n'a pas de Momorba, n'a pas de Momorba. N'a pas de Momorba, non, dit Faladi. 10 milliards, Lansoa, 10 milliards. À Tony, non, dit Faladi. Et comme on a un soir, il a pendant ta guine de Nantongo, 3 milliards à son notaire, il a notaire à sa banque, il a fait. Et toi, tu as trouvé rare, comme on a fait. Amara, il est tout seul. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Donc, on a fait la mairie, mais il y a un on va comprendre que oui, ce pays-là nous appartient tous. Tout le monde, on doit se lever, se donner la main de bâtir une nation. Tellement que rien, c'est pour qu'il y ait un peu de la Guinée-Cara. Français, Burkina. Mais
Il faut être reconnaissant, bah, ou bien Imaginez, Mandiana, Raymond, un défi, mais après, il m'a dit. Il y a une grande société burkinabé qui est installée là. Il paraît, oui. Et dans Tongo, on a créé un client. Et ça, mon avion, la Madi, là, oui. Et Rani, Burkina. Et Rani. 10 ans, Alpha Télé, mais bon, oui. Je pense qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils vivent dans la normalité. Voilà. Le Guinéen ne se rend pas compte qu'il ne doit pas vivre comme il vit. Le Alpha là s'est battu pour ça, critiquer tout ce qu'il fait aujourd'hui là. Non, Maguiné, pose-toi la question, pourquoi depuis 10 ans, Alpha Condé n'a pas un mètre carré en Guinée, un mètre carré. Bori, un mètre carré. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais il t'a pas rien. Même un mètre carré, on te dit un mètre carré dans ce pays-là. Tu ne peux pas montrer un mètre carré ici. Il y a un Alpha Condé dans le bébé là. Mais il paraît très bas, Burkina, tu vois. On va voir ce qui se passe là-bas. Donc, c'est ce que nous sommes en train de dire au peuple de Guinée. C'est-à-dire, Gawal, il faut qu'on soit méfiant. Très méfiant. Sinon, Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Après, ça va faire des... Société Burkinabé, dans Wolfe Koursa. Après, il y a un communiqué, il faut communiquer partout. Comme Jenny Barkeli, il a communiqué Toro, comme Lyon Monassiste. Je ne sais pas si c'est un bon environnement, un bon environnement, Donc, on t'a dit, on a qu'à imaginer. Gawala, il est bien lourd, on a quitté. Mangabote, même. Mais il est juste là-bas. Mais il est là-bas. Société civile raquelée, rafla. Moi, il m'a eu exploité, fait signer. Ah, Donanandi, voilà, Ribeiro. C'est ce que j'ai dit hier. Ils sont en train de parler et ils pensent que. Et Amberar et les femmes brimbe. Eux, ils pensent que. Imaginez. Amara, Amé Mounafa, Amé Mounafama. Le régime d'Alpha, voilà, imaginez. Il a pour nous. Boxit Kassabina a même fait Ibor et puis Kino. Ils m'ont pas parlé de la Guinée, ils m'ont mentor les couilles. Ils m'ont pas parlé de ce qu'on a bloqué, ça a dit village et couilles. École, mon assente, des sentiers, mon assiste. Ah, carré. Mon problème est que les pays qui n'ont pas de bauxite et d'or, qui n'ont jamais connu la guerre, ils n'ont pas de bauxite, ils n'ont pas d'or, ils vivent mieux que les Guinéens. Le Guinéen doit se poser la question, comment ceux-là font? Eh, mais moi, je vais me dire, mais les guerres sont les dingues, il y a un fou guéri. Il est en train de faire du mal au Guinée. Parce que Sénégal, compagnie, il est là. Donc, les gens qui ont dit, ils ont dit, Il loue des avions pour son déplacement. C'est-à-dire, aucune gêne. Il se gêne pas. Il y a des gens qui sont contents de ça.
Voilà. L'appel des gens, moi je peux vous donner deux fois, deux preuves. Alpha Condé, c'est en Turquie. Et dans Saramini, aérogramme de Kouiki, il a tiré avion de 7 mois. Ah, mon avion, non, ça a fait le Gneb. Et là, on a mis le Gneb pour l'Alpha. Mais un avion, vous. Boulé Ramara. On a compris. On demande au monsieur encore, attends, on a pu ses mains, yala. Attends, on a pu ses mains, yala. Yala, à l'opposé des trucs comme ça. Il dit que je n'ai pas ces mains-là. L'avion est bien disparu. Ils accusent les autres qu'ils ont volé des avions, mais lui, 10 ans, il n'a pas d'avion. Voilà. Je ne sais pas si l'avion est là. Avant, on a accompagné les au Sénégal. Il est là. Al-Barak n'a pas d'amour. Et la bûche est réparée. On a tué qui a la bûche. 19 mois. D'abord, il y a quelqu'un qui a dit Mangassagne, mon cobri, chauffé, il a la bûche entretenue. Donc, la Guinée, c'est la circulation, mais la bûche est au moyen de la fille. Et la bûche est au moyen de la fille. Elle va la bûche au moyen de la fille qu'on a cru plus tôt. Il a dit même on n'a pas de bûche publique. On n'a pas de. Ça dit nous, la Guinée, maintenant, mais. Mais la Guinée, où est-ce que nous avons fait à Dieu pour nous? Allez, où est-ce que nous avons fait à Dieu? Au moins, à la on a dit que nous avons fait à Dieu. Au moins, à la fin, parce que déjà, on voulait. À la fin, on a même à la Guinée, c'est Dieu qui a mis Alpha Condé là-bas. Un menteur? Mais Dieu n'aime pas les menteurs. Les fausses promesses, Shaitan, Iblis. Alpha Man, il est monsieur fausse promesse. Tu vas dire que celui-là, il est avec Dieu. Il a dit publiquement qu'il a honte d'être musulman. Donc, votre affaire, moi je ne comprends même pas. Vous confondez fétiche et Allah ou quoi? Il y a Allah, il y a fétiche. Ça aussi, c'est des dieux, hein? Des dieux pour vous. Parce qu'un menteur ne peut pas être quelqu'un de Dieu. Ça au moins, c'est clair. Quand tu passes à ton âge, mentir ton propre respect pour qu'on te respecte, pour que toi-même tu ressentes le respect, le mensonge, ce n'est pas bon. Il faut une effort. Même si tu n'es pas chef, mais en tout cas, à nous, la Guinée qui libère à associer. Ce gars-là ment comme pas possible. Ses adeptes n'en parlons pas. C'est-à-dire, le mensonge est tellement normal pour eux. C'est ce qui est grave. C'est devenu une anormalité. Ils ont imposé l'anormal aux gens. C'est pourquoi même parler de ces résultats-là, on veut vous imposer ce mensonge, même sur les réseaux sociaux. Ma page et ma bouche. Tu veux m'imposer ce dont je dois parler. Nara, ah, on va aller les lire. Résidence, parce que voilà, j'ai ma fille à la maison qui m'attend. Je dors avec ma fille aujourd'hui. Donc, 1h24, Voilà, on se dialogue fait un coup, mais on va venir, on va donner des détails du régime d'Alpha depuis 2010, secteur Mundo, Wali, à Monsieur le ministère Barré,
éducation belgama à monsieur le ministre barre santé belgama en tant que professeur à école il retire à agriculture belgama à l'école il retire à l'école la situation tiendrait parce que tout quand pour l'enfant à 19h mais en 23h 19h en 23h et le barrage vient en plat il va me faire couloir rouge à barrage n'a barrage fini à mon assaut qu'il fait manjana ce qu'a fait manjana cancan 87 km, imaginez, qu'elle fait 2010, qu'elle fait 2013, et là, on a un contrat sur Kaba Guiteri, là. 87 km, Kanka Mangana, Hanouna, Wepe, Kanyamouyo, Irato, pour une Conakry, Matoubeto, Nigerma, Conakry, route de Nigerma, Kramouna, qu'elle fait d'Abondi, est-ce qu'elle est pas bonne fille, est-ce qu'elle matam, est-ce qu'elle est adoro Koléa, a pris une barre de Kramouna, Corniche, là, Menebis, qui a fait Koléa Mabri, Menefan Koupéri en deux, et ce m'a dit dans ma main, mais quel fait m'a dit dans son nom, une fille en lui pour me mettre par Kramouna. Il y a tout. Krana, Kradin Ranana B à Bellevue, et quel fait Bellevue, et dans Bellevue Liberté, c'est qu'il y a qui s'appelle Parma Guinéma. Mais ça fait 8 mois comme ça, la route là est fermée. Les fossés, les tombeaux sont ouverts aujourd'hui dans la capitale ici. Fossés, c'est qu'il y a un guéra. Travaux, avant qu'il y ait travaux, on dénerait. Alors, on dénerait, femme, on dénerait, on dénerait, on travaux, on réparait, on dénerait. Il faut imaginer tout, mais il y a des gens la Guinée crâne en Guinée tout. La route de Anta, il faut mener une crâne à chaque année. Il faut cobrer de la semaine. Donc, Anta à côté. Le gros problème est que ce que je n'ai pas compris pour réparer les routes en Guinée, c'est quand il pleut, à la saison des pluies que eux reparlent. Malay. Parce que nous autres, Anta, mais à côté qui est un côté qui est un mais là, pourquoi Kira Tanya la Manguemera? Et pauvre Don Kinara. Ils vont faire sortir beaucoup d'argent et puis voilà, quand ils ont mis. Merci beaucoup, merci à tout le monde, merci aux invités, la colère, Fadiga, Monsieur Kanté Fama, merci à tout le monde. Quand vous allez regarder la vidéo demain, qu'Allah vous paye, qu'il vous protège et tout. Et qui nous guide, qui revienne dans sa Guinée à lui, c'est lui qui a créé la Guinée. Tout ce qu'on dit là, or, si, ça, ah, la photo de Conté. D'accord. Ah, Donc, dans sa Guinée, tout ce qu'il a donné là, c'est par amour, l'or, le diamant, la bauxite, tout ça, c'est pas nous, ça, c'est par amour pour le pays et pour les Guinéens. On a donné d'eau au créateur. Ah, et le fait, là, quand tes rapports, je n'en pas mon fort à tout. Et ta, donc, on va revenir, on doit revenir vers Dieu. Si on ne revient pas vers lui, c'est ce qui se passe. Il nous amène des sataniques, les diaboliques, les sentanetouais, les iblistiques, comme les alphas. C'est ce qu'on vit là aujourd'hui, parce qu'il n'y a aucune explication. La situation de la Guinée, il n'y a aucune explication. Tout ce que les autres pays ont essayé, nous, on essaye, ça ne marche pas. C'est-à-dire, il n'y a pas d'explication. On n'est pas sur le bon chemin, c'est ça. Quand tu n'es pas sur le bon chemin, on t'amène des gens comme ce genre de personnes-là. Voilà, il est malade, il est fatigué, il ment, il tient des promesses, il dit des promesses n'importe comment, il ne respecte rien, il est sans foi ni loi. Donc, ça, c'est une évidence. C'est dommage, mais c'est ça la vérité. La vérité, ça fait mal, mais à la longue, on peut l'accepter. Donc, M. Kamara, vraiment, merci, merci beaucoup. Alara Koulebe, Alari Soureri, Alara Wontange, Dissentane, Tema, Alara Wombayi, Iblis, Ramre, Irenre, Benresou, Iblis, Irenre, Nama, Dengen, Désordre, Nan, Repertite, Wontama. Donc, Aji, merci beaucoup. Alara Koulebe, Fambé. Alors, il faut qu'on t'aura un pire incantant, un pire inagi directement, un pire imparamato, un pire infamamato, un pire amato, un pire loro, un agi sentane, tu es un ira, à la cobeira, parce que, à mon langue, m'riobe, m'riona rafala, m'rinde na iliku et ambe na kenenama. Mais on a ilinan kuneki. Mais on a tena ira, on a offa compra, on a ilinan kuneki. Oya makulonga na ira temboma. Donc, en gros, makulonga, on se bête, rajouté fait, a fait ma, ou quoi, n'tan nanara. Il y a pas kawendong wa na wira quoi. Oh, c'est bon, c'est bon. On tina. Donc à très bientôt.